Bienvenue à tous, ici Danielle Delaney et bienvenue à notre quatrième émission. Aujourd'hui, nous allons regarder l'utilisation de l'hypnose pour calmer la douleur. Nous allons voir une capsule de Ma santé et mes droits sur la prévention et le quatrième exercice d'auto-hypnose avec Noël Delcourt. Je suis présentement en studio avec Mme Denise Jodoin, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers en pratique privée du Québec. Bonjour. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler un peu du but de votre organisme? Bien, nous existons en tant que syndicat professionnel des infirmières et des infirmiers pour s'ajuster aux nouvelles réalités dans le cadre de la réforme de santé au Québec. Ce qui veut dire qu'un nombre de plus en plus important d'infirmières devront créer leur emploi dans le réseau privé, puisque des mises à pied sont très nombreuses, d'une part. Puis d'autre part, les besoins de la population sont très nombreux à domicile. Donc, nous sommes là pour nous donner des outils pour faire face aux nouvelles réalités, notamment tout un programme de formation continue. Donc, au fond, vous nous parlez d'une nouvelle définition du rôle de l'infirmière? En effet, disons que cette définition-là, elle était déjà en cours depuis une quinzaine d'années, parce que nombre d'infirmières utilisent déjà les approches dites alternatives. Mais là, ce que nous voyons apparaître, c'est le modèle d'infirmière conseillère en santé, le modèle d'une infirmière qui devient une professionnelle autonome dans l'exercice de ses fonctions et dans une approche globale et holistique. Et bien sûr, ceci voudra dire en même temps que des soins à domicile, des consultations en cabinet privé. Comment est-ce que les infirmières reconnaissent les bienfaits des méthodes naturelles, puis encore plus précisément de l'hypnose? Bien, voyez-vous, l'infirmière, elle est confrontée, on pourrait dire quotidiennement, par la douleur. La douleur sous toutes ses formes, parfois ce sont des douleurs moins importantes, moins aiguës, mais il y a aussi des douleurs qui sont très aiguës. Il y a des douleurs qui sont périodiques, temporaires, et des douleurs qui sont existantes, presque omniprésentes dans la vie des patients. Et bien sûr qu'il y a les médications, mais nous connaissons très bien que les effets toxiques des médications, surtout quand elles sont prises à long terme. Nous savons aussi qu'il y a tous les effets de dépendance de la médication. Mm-hmm. Alors, l'hypnose et l'auto-hypnose en particulier donne à l'infirmière un outil, un moyen, une méthode naturelle qui permet au patient de maîtriser sa douleur et d'éviter aussi tous les effets secondaires de la médication. Parce que relié à la douleur, il y a toujours le facteur stress, anxiété. Mm-hmm. Alors, l'auto-hypnose et l'hypnose jouent un rôle très important à ce niveau-là. Donc, pour l'infirmière, nous considérons que c'est extrêmement bénéfique. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pratique? Bien, j'en aurais plusieurs, mais disons que je vais vous donner un exemple, par exemple, d'une dame qui prenait du Dilaudide, qui est une médication comme qui est comparable à la morphine ou au Démerol. Elle en prenait 125 mg à toutes les 4 heures. Et avec l'hypnose et surtout l'auto-hypnose que je lui enseignais, j'étais avec elle à tous les jours, en privé, elle a réussi à diminuer la dose de sa médication à 25 mg aux 12 heures. Donc, c'est très, très marqué comme bienfait. Et aussi, il faut ajouter que ça a eu un effet chez cette dame-là au niveau global de son bien-être. Elle a appris à rentrer en contact avec elle-même. Elle a appris à se détendre mieux. Elle a appris à vivre ses difficultés physiques différemment. Donc, c'est un des nombreux exemples qui sont assez frappants du bienfait de l'hypnose, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait donner aux patients le choix d'utiliser l'hypnose dans la session pré- ou post-opératoire? Bien, disons que je pense que globalement, les patients devraient avoir le droit de choisir toute forme de traitement et de médication et de soins.
L'hypnose, bien sûr, fait partie de ce choix-là. Oui, en préopératoire, oui, en post-opératoire. Ça peut être un facteur de meilleure réussite, je dirais, de l'intervention chirurgicale et même du processus de guérison par la suite. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, Mme Jodoin, puis je vous souhaite bonne chance. Merci. Et maintenant, on va passer au public. Ils vont nous répondre à la question s'ils trouvent que l'hypnose pourrait bien, en effet, enlever la douleur. Ce cas-là, là, disons, je ne crois pas. Je crois être hypnotisé, j'y crois, mais je ne crois pas vraiment qu'il y a possibilité d'enlever la douleur par cette méthode-là. Là. Je ne crois pas. Alors, je préférais le médicament, puis j'aurais l'assurance à ce moment-là qu'il n'y aurait pas de douleur. Je vois là de quoi être positif, puis on le sait de toute façon par des expériences passées que ça peut apporter beaucoup, oui, comme thérapie, comme... Il y en a qui s'en servent, même les dentistes s'en servent pour remplacer là. Oui. C'est ça. Donc, oui, je vois là quelque chose de positif quand c'est bien mené, là, par des gens compétents, là, mais non des charlatans. Bon. Bonjour, Cornélia. Bonjour, Daniel. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on peut enlever la douleur avec l'hypnose? Certainement, oui. L'hypnose peut aider à enlever une douleur passagère, comme on arrive à trouver dans les traitements dentaires, mais aussi dans des douleurs chroniques. Si on décomposerait une douleur, on verra qu'elle est faite de trois parties. Le souvenir des douleurs passées, la peur des douleurs qui vont venir, et seulement un tiers de la douleur présente. On peut agir à tous ces niveaux. Et pour te donner un exemple, une dame qui est venue me consulter pour ses peurs terribles envers un traitement dentaire, à l'aide de l'hypnose, elle a réussi à trouver un souvenir enfoui dans l'enfance, vers l'âge de 7-8 ans, quand elle a fait la première rencontre avec un dentiste. Dans ce temps-là, on prenait moins le soin d'expliquer à l'enfant qu'est-ce qui va se passer, comment vont s'y prendre pour faire son traitement. Et l'enfant était tout à fait épeuré et son seul désir était de s'enfuir. Et ce souvenir a fait remonter beaucoup d'émotions à ma cliente, mais qu'est-ce qu'il y avait encore de pire, c'était l'attitude de sa mère, qui était aussi effrayée qu'elle, de la présence du dentiste. Et au lieu de rassurer l'enfant, il rassurait le dentiste. Donc, à ce moment-là, l'enfant se sentait insécure et sa peur de dentiste a augmenté. Est-ce que tu peux nous donner un autre exemple? Bien sûr, il y en a d'autres exemples où la douleur est maîtrisée à l'aide de l'hypnose. Par exemple, un adolescent qui faisait des migraines à répétition, et qui découvre qu'à l'origine de ces migraines sont ces colères mal assumées. L'adolescent se mettait en colère et ne pouvait pas l'exprimer d'aucune manière. Et il tournait cette colère contre lui-même et se défoulait en mangeant en excès et en consommant trop de gras. La migraine s'en suivait peu de temps par la suite. En apprenant à gérer ces colères, les migraines se sont enfuies. D'autres exemples, bien sûr, on peut toujours en donner. Des douleurs menstruelles qui sont si fréquentes chez plusieurs femmes. Par exemple, une dame qui est venue me consulter pour ses douleurs menstruelles découvre que dans sa famille, la position des femmes était toujours une position d'infériorité, position qu'elle n'acceptait pas. Et en rejetant cette position de ses précédents, des autres femmes de sa famille, elle rejetait aussi sa féminité et son corps l'avertissait qu'elle n'est pas dans la bonne voie. Les douleurs, bien sûr, après se sont estompées et presque disparues.